Bienvenue sur ET Éternel. Bon, ce samedi. Voilà donc encore un côté du quartier qui va disparaître. Ils vont faire un bel immeuble. Tout ça, ça dégage. Avant là c'était une petite cité marchande. Et là le mai. Là, les fleurs, ils vont bientôt partir. Peut-être qu'ils vont reprendre la librairie. Bien sûr, t'es éternel. Donc le samedi c'est en fa, donc ça, on va faire un mi fa sol, c'est bon pour faire du RS. Trois, samedi prochain c'est le début du gros merdier planétaire. Il va jamais y avoir eu autant de trucs, c'est-à-dire que vraiment tout le monde va aller dans la rue pour changer d'air et d'air, pour dire que y en a marre. Dégage Macron, dégage tout, ce sont dans tous les pays. Il faut que ce soit planétaire la révolte. On n'est pas tout, on recommence, on repart à l'an zéro au premier. Ou alors au jour de l'an 2008. Je sais pas trop. Et j'ai encore fait des vrais songes, c'est balèze. Hier j'ai fait un autre diaporama pour filmer une musique par dessus. Je mettrai ça demain peut-être. Demain ce sera la messe en sol. Et chef, tu filmes une 8-6. J'ai déjà filmé. Le samedi. Ça joue en fa. Makefa, Mustapha. C'est là où tu dis, mais qu'est-ce que je fais sur Terre avant? Mon Dieu, est-il argent? Ou est-ce que j'ai une âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bocal? Parce que l'avidissement par la télé et les médias, tout ça, ça fait que ça vous débranche complètement de la vraie vie, du vrai sens de la vie. C'est comme un mauvais Monty Python. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace temps? Là, il fait un peu maussade. Hein. Ça va, ouais. Moi, je suis du ministère de l'Extérieur. Ça doit être la 14e constellation. C'est les baleines et les trucs comme ça que vous exterminez, que bientôt il n'y en aura plus, ça comme toutes les espèces que vous exterminez. Vous rompez la chaîne alimentaire. La dernière baleine morte, elle avait 23 kg de plastique dans l'estomac. C'est pas normal. Pourquoi vous niquez tout? Faut changer de système. Le système à pognon, c'est le diable. Histoire d'héritage. C'est un système de merde. L'humanité est basée sur de la merde. Avant c'était la loi du plus fort, déjà il fallait être con, comme là pour faire la guerre. Maintenant c'est la loi des plus riches. La carotte pour faire avancer le bœuf. Ils augmentent l'essence puis ils vont donner un chèque pour l'essence. Où c'est qu'on s'en va là? Toutes les pubs de merde et tout ça là. Un truc s'il est bon, ça se savait du bouche à oreille. Quoi vendre? Profit, bénéfice. Banque de merde, FMI de merde. Je dirais que vous faites semblant de ne pas comprendre. Alors, si je prends un petit peu, ils ne veulent pas perdre 10 balles. Pour avoir un peu plus après. Tout le monde est un petit peu bien, dignement. Bientôt, il n'y aura plus de classe moyenne. Il y aura les très riches. Il y aura les esclaves, les très pauvres. Ça n'empêche pas d'être sympa, mais il faut voir un peu plus loin que ses yeux. Un macro, là. Oh, il fête les 100 ans de la guerre. Ouais, c'est ça. Macron, t'es un con. Macron, t'es un sot. Faudrait le prendre par les pieds jusqu'à ce qu'il pleure ses morts par terre.
quand la plaque elle atteint 30 cm, la plaque de l'arme, c'est bon, on le détache. Tous les mecs d'État et tout ça, il faudrait les prendre par les pieds. C'est eux qui vendent les armes et les guerres. T'es riche, t'es une merde sur Terre en fait. Profite de l'instant, mais après. C'est le jour où tu tombes de l'œil. J'aimerais pas être à ta place. Bon, c'est un envoyé spatial de retour de nos sphères, de retour du futur. Pour expliquer à présent qu'est-ce qui va se passer. Le Donald, c'est pareil, il faudrait le prendre par les pieds jusqu'à ce qu'il dise pardon. Je suis vraiment un connard, je le ferai plus, même le macro. Je le ferai plus. Minimum 12 heures. Normalement, ils vont craquer au bout de 2 heures quand on est par les pieds. Et oui, là en direct, c'est pour Pauvreté Éternelle. Envoyé spatial. Reporter sans glacière. Je pense que samedi prochain, ça va être un truc sans précédent. Il faudrait leur arrêter le Lexomil. Et voilà.